développer de l'acide tartrique que je vais mettre en formule topologique. Comment est-ce qu'on fait? Donc j'ai la formule de l'acide tartrique comme ça, où toutes les liaisons sont représentées. C'est sympathique, mais pour que ce soit plus simple à manipuler, on va utiliser la formule topologique. Donc c'est très simple. Les liaisons carbone-carbone vont constituer une brisure. Donc je vais commencer par cette liaison carbone. Donc j'ai un carbone ici. Je mets la liaison ici en zigzag avec l'autre carbone. Ensuite, je vais mettre ce carbone-ci et après le dernier carbone. Vous voyez, 1, 2, 3, 4 carbones. Maintenant, je ne représente pas les liaisons carbone-hydrogène. Je vais représenter les liaisons carbone-oxygène, carbone-oxygène ici, et puis OH. Donc, ça fait OH. Ici, je vais avoir la double liaison O. J'arrive ici, j'ai OH. Je passe à ce carbone, j'ai H puis OH. Après, je passe au dernier carbone où j'ai OH. Et ici, O. Voilà comment on fait. À vos stylos.